Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Hey, je suis tellement content. Écoute, il y a de la pluie, ça n'a pas d'allure, c'est pas pour ça que je suis content. Mais quand les gens vont regarder l'émission, en ce moment, mercredi 19h, je serai au terrain de balle, si Dieu le veut, avec le soleil, et je commence ma saison. OK, t'es prêt? Pas vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? T'es en train de me dire que c'est pas un sport? T'es en train de te dire qu'il ne fera pas soleil. Non, non, il va faire ça. La coupe de cheveux, c'est la coupe du joueur de base, ça? Oui, je suis allé au Chien Galant. Oui. Et puis, écoute, ça a bien été. On a enlevé les puces et tout ça. Non, mais moi, j'aime pas ça, aller chez le coiffeur. Alors, au début, elle l'a fait à 1. Je disais, on va sauver un autre 3 semaines. Mets-moi ça à 0.5. Ça va être parfait. C'est moins payant pour elle, par exemple. Bon, ben là, à un moment donné, il faut bien que je pense à moi. Hey, François, je vais te parler de l'Impact, 30 secondes. C'est incroyable ce qui se passe avec ce club-là. Mais le problème, c'est qu'on est juste au mois de mai. Ouais. Et là, ça commence à être difficile à rattraper. Là, on est en bas, là. Écoute, c'est un petit peu décourageant. À part Anthony Jackson-Hamel, qui était sur une lancée, là, il est blessé. Donc, il n'y a rien de... Balou, également, c'est quelque chose à voir. Lui, si vous voulez voir... Balou Jean-Yves. Exactement, oui. Allez le voir, là, parce que c'est un gars qui a 18 ans et il est approché par les gros clubs européens. Lui, le Mickey 21-22, ça va être bye-bye, il va aller signer des gros contrats de l'autre côté de l'océan. Ça va être le fun de se dire que ce petit gars-là a été développé ici au Québec. Mais là, en tout cas, il y a une entente avec Bologne. Là, j'oublie le nom, c'est un milieu de terrain. Zilabine, vous irez voir. Mesdames, vous irez voir ça sur Internet. Beau garçon. Beau bonhomme. Beau bonhomme. Et lui devrait arriver. C'est un excellent milieu de terrain. On fait des blagues là, en Série A. Alors, ça devrait Écoute, on l'espère parce qu'il y en a besoin. Stabiliser les choses un peu. Ouais. François, je sais que cette semaine, on s'adresse toujours à plusieurs milliers de personnes, mais j'ai comme l'impression que cette semaine, on va s'adresser à encore plus de gens parce qu'on reçoit un homme tellement sympathique. Oui, écoute, Steve Bossé, un ami de longue date, je lui ai demandé de venir à l'émission quand le timing n'était pas bon, il était en Thaïlande en camp d'entraînement. Il disait « Ah bien, je pourrais peut-être y aller dans 2 semaines ». Quel bon timing, Alex. On vient d'annoncer le retour de Steve Bossé au UFC. Ouais. Je pense que c'est le 7 juillet du côté de Las Vegas au T-Mobile Arena. Écoute, ça va être le gala de finale de The Ultimate Fighter. Ouais. En plus, donc ça va être des cotes d'écoute à n'en plus finir. Et notre ami le boss qui va être sur la carte contre quelqu'un de bien connu dans sa famille pour toi, Jared Cannonier. Oui, oui, et Steve le connaît bien également. Oui. On va en apprendre davantage durant l'entrevue. Mais pour les gens à théorie du complot et ces choses-là, c'était pas quand il était allé en Thaïlande, c'était même pas prévu non plus. Alors, pour ceux qui pensaient qu'il était en Thaïlande pour se préparer à un combat, non, c'est le hasard. Ça peut se régler assez rapidement. Hein? Exactement. Alors, on s'arrête 5 secondes et au retour, 20 minutes bien remplies entre François, Steve Bossé et moi-même. On regarde ça. Cette semaine à Sport Express, François, c'est pas compliqué. 30 minutes avec notre chum Steve Bossé qui est là. Salut Steve. Salut boss. Merci d'être là. Steve, en même temps, le timing est tellement bon parce que nous, quand t'as invité à l'émission, ça fait déjà 2 semaines, c'était pas signé encore ton combat du mois de juillet prochain avec le UFC. À Vegas, Alex. À Vegas, en plus. Puis tu sais qu'il y a une grosse fin de semaine dans l'année à Vegas UFC, puis c'est cette fin de semaine-là. Il y a 2 combats, en fait, le vendredi et le samedi. Comment ça s'est déroulé, tout ça? Écoute, c'était des négociations un peu, je te dirais, un peu rough. C'est la première fois que je négociais avec une grosse organisation comme le UFC. Mais ça a été un peu long, mais ça s'est quand même bien passé parce que, regarde, j'ai eu l'adversaire que je souhaitais. Ouais. C'était pas mon premier choix que j'avais dans la mire, mais écoute, Jared Cannonier, qui est dans le top 15. Regarde, c'est des combats comme ça que je veux. C'est des combats comme ça qui sont... qui vont faire progresser ma carrière le temps que je suis au UFC. Là, Steve, tu t'en viens bien établi au UFC. Les gens te connaissent. Écoute, moi, on suit sur Twitter partout, les gens, tout le monde parle de toi. Là, tu parles que, si on comprend bien, c'est toi-même qui as négocié ton contrat. Oui, ben écoute... tu dis que c'était mes premières négociations avec le UFC... Oui, on s'entend, le UFC, là, c'est des courriels. Ouais. On m'avait expliqué mon ami Nordine Taleb qui négocie lui-même ses affaires. Écoute, Hugo, il est dans mon équipe. On travaille ensemble, on va aller chez les commanditaires. On parle d'Hugo, Hugo Girard. Hugo Girard, oui. Je me suis dernièrement entendu avec Hugo. C'est une grosse machine qui va travailler pour moi, autour de moi. Hugo, c'est que tout le monde le connaît. Il y a une prestance, il y a l'expérience. Je suis vraiment content de m'avoir jumelé à Hugo. Un gars de Saint-Jean en plus, maintenant. Oui, maintenant à Saint-Jean. Puis on marche aussi à Daniel Fontaine qui est avec nous. Fait que.
Donc ça, je suis super content. Mais au niveau, avec le UFC, j'ai comme pris le lead un petit peu pour parler. Mais tu sais, personne ne se connaît plus que moi-même. Puis j'aimais ça. Là, je peux savoir avec qui je vais aller vouloir affronter. Fait que j'ai un contact direct. Puis j'ai pu dire un petit peu c'était quoi ma vision avec le UFC que j'avais. Puis eux, on a pu communiquer comme ça. Puis regarde, on a closé ça avec une bonne entente de 4 combats. Ouais. Wow. Avec le gars dans le top 15. Puis tu l'expliquais hors d'onde tantôt. Je pense qu'ils ont aimé ton franc-parler aussi dans les négociations. À un moment donné, tu as écrit un courriel, tu as dit, écoutez, moi, si ça marche pas, je vais m'en aller. Oui, je pense que c'est ce qu'ils ont aimé de moi. Tu sais, regarde, j'ai dit vraiment ce qu'il en était. Je vais avoir 36 ans. Quand je me présente pour un combat, quand je me bats, je rentre dans l'octogone, c'est pour mettre l'autre KO, puis je risque de me faire mettre KO, ou ça va faire vraiment une guerre, un combat de la soirée. Puis, je me bats pas pour pas me faire mal ou pour pas perdre, tu sais, des combats. En tout cas, à date, je pense que j'en ai pas fait. Quand je me présente, c'est vraiment pour donner un spectacle. Puis, je pense que ça a une valeur. Puis, ce que j'ai accompli, quand tu arrives puis que tu n'as rien accompli, tu n'as pas de bagage, c'est dur de te vendre. Mais regarde, avec le knockout que j'ai eu contre Tauna en Australie, puis le combat de la soirée qui était classé parmi quelques sites dans le top 5 de 2016, écoute, j'avais de l'argument, puis eux, ils ont aimé ce que j'ai dit, ils ont aimé mon point de vue. Parce que j'ai dit, sinon, ça va s'arminer là. Parce qu'eux, leur offre qu'ils me faisaient, ils m'offraient un Russe qui n'est pas au UFC. Fait que j'avais rien à gagner pour finir mon dernier combat de mon contrat de 4 que j'avais. Puis c'était pas mon objectif non plus de tomber agent libre. Je voulais rester au UFC. Je suis là, j'aimerais ça finir ma carrière là. Mais j'ai dit, regarde, montrez-moi que vous voulez prendre soin de moi, puis je suis là pour une coupe de combat, en me donnant des bons adversaires, qui vont faire des bons match-ups. Puis regarde, on a tout ça. Puis j'ai même lancé une faveur, j'ai dit, j'aimerais ça, faire un combat à Las Vegas. Il dit, OK, je vais travailler là-dessus. Une demi-heure après, il m'a envoyé le courriel. C'était fait le 7 juillet au T-Arena Mobile. Fait que regarde, je suis juste. Ça me fait triper. C'est un mois, je le dis depuis le début, moi, là, c'est du bonus que je vais en ce moment. Moi, ma retraite, elle était prise. Ouais. C'est ce que je vous ai dit dans mon courriel. Regarde, montrez-moi que vous voulez prendre soin de moi, sinon ça va être terminé. J'ai une autre vie en dehors du. Je suis pas juste tu le combattant. Tantôt, c'est du temps partiel pour toi, l'UFC. Là, moi, c'est rare qu'on entend ça. Ouais, je suis un des seuls, regarde. Moi, c'est comme ça que je le fais. Puis, regarde, je vais améliorer quelques points là-dedans. Entre deux combats, essayer d'être plus. De me maintenir. Mais c'est pas évident. Moi, j'aime ça. Moi, quand j'ai une date de combat, je tombe à on. Puis quand le combat finit, mais là, j'ai d'autres occupations à mettre de l'énergie. Mais regarde, c'est comme ça qu'on le fait. Puis à date, regarde, c'est une recette qui marche. Je suis bien là-dedans. J'ai du plaisir à le faire. Fait que on focus sur le 7 juillet. Puis regarde, c'est là, là. Tu sais, c'est tout le temps le combat le plus important. On dit tout le temps ça. Mais moi, ça, c'est mon entrée à vraiment me vendre. Est-ce que je suis un combattant qui peut percer le top 15? Est-ce que je suis capable de donner des shows et de knocker du monde qui sont rankés, bien rankés au UFC? C'est là que ça se passe. T'sais. On a déjà parlé quand tu es venu à l'émission, quand tu commençais au UFC, on ne rentrera pas dans les montants, mais on sait que quand tu commences dans le UFC, il faut quasiment que tu payes pour être là. Ouais. Là, sans rentrer dans les montants, on ne parlera pas d'argent, mais es-tu satisfait quand même de ce que tu as eu du UFC? Ça ne me dérange pas de le dire ouvertement parce que c'est tout. On peut tout le savoir. OK, mais vas-y. C'est tout ouvert, regarde. Moi, je t'ai rendu. Écoute, non, mais... vas-y. Il y a toujours été un livre ouvert, de toute façon. Non, regarde, j'ai rien à cacher. Regarde, je t'ai rendu. Tu commences au UFC. Les salons ont augmenté à partir du Reebok deal, le commanditaire. Parce que sinon, avant, tu commençais à 6 000 plus 6 000. 6 000 pour la défaite, 6 000 pour la victoire. Okay. Tu perdais, tu avais 6 000, tu gagnais, tu avais 12 000. Okay. Tu gagnais, tu montais à 8-8, 10-10, ainsi de suite. Moi, quand je suis arrivé, le deal de Reebok, puis moi, je remplaçais Rampage Jackson à la dernière minute. Moi, quand j'avais signé avec Rodolphe en 2014, Rodolphe Beaulieu, qui est l'agent de George, on avait eu un petit peu plus que 6-6 par mon style de combattant que j'étais. Il était capable d'aller me chercher 8 plus 8. Okay. Le fait qu'on remplaçait Rampage à la dernière minute, ils ont comme fait un deal, ils ont fait un nouveau contrat de 10 plus 10. Là, j'étais tout content. Mais je me suis rendu compte que pas longtemps après, c'était ça le salaire minimum, 10 plus 10, vu qu'ils enlevaient les commanditaires. Fait, regarde, c'est comme ça, mais... Puis ainsi de suite. Là, je t'ai rendu vu que j'ai perdu mon premier. Fait que j'ai resté à 10 000 plus 10 000. Je suis monté à 10-10 encore pour l'Australie. J'ai gagné. Je suis monté à 12-12 pour Ottawa. J'ai gagné. Donc là, je t'ai rendu à 14 plus 14 à mon dernier combat de ce contrat-là. Ouais, ouais. Fait que tout de suite après Ottawa, ils m'ont offert. Là, ils veulent pas être. Les athlètes qui veulent garder, ils veulent pas qu'ils soient agents libres pour pas les perdre, pour pas qu'on parte négocier ou qu'on s'en aille à Bellator. Exact. Ce que plusieurs font en ce moment. À cause de la possibilité d'avoir des commanditaires. Mais c'est ça. Fait que moi, la première offre était, comme je vous dis, c'était un peu plus tight, plus dur la négociation. Ils m'ont offert 18 plus 18.
Si j'acceptais l'offre, j'avais un combat intéressant. Si je refusais l'offre, le combat était moins intéressant. Tu es au banquier, Alex. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça. T'sais, j'ai pas. Il y a plusieurs auraient comme pas paniqué, mais auraient pas été. Dit oui tout de suite. Ouais, hein? Oui tout de suite parce qu'ils n'ont rien d'autre et qu'ils veulent pas perdre le match-up intéressant à 18 000 puis 18 000. Moi, c'est ça. Je les ai vraiment détaillés. C'était quoi ma vision avec eux, ma vision dans le sport, ce que je pouvais apporter. Puis je voulais juste qu'ils me montrent qu'ils voulaient prendre soin de moi. Puis quand j'étais surpris, l'offre qu'ils m'ont faite, vraiment, c'était une bonne offre pour un gars qui est à son quatrième combat. Dans le fond, moi, je suis parti de 14-14 à 26-26, 29-29, 32-32, 35-35. Wow. En US. En US. Donc, l'an prochain, on s'est rendu à 70 000 en cas de victoire, par exemple. Ah, c'est sûr que, ouais, c'est ça. Plus que ta ligne des victoires, plus que tu montes, il faut être actif. On s'entend que je réalise, moi. À 36 ans, il faut que tu te battes plus qu'une fois par année, par exemple. Oui, oui. C'est sûr que là, j'ai eu une chirurgie de la mâchoire qui a fait en sorte que. Mais si je prends mon exemple sur dans ma vie, là, comment que je recrisse mes affaires là, avec les jobs que j'ai, ma business, le mois de mars puis le mois de juin, juillet, c'est super. Fait que moi, j'aimerais ça pouvoir combattre deux fois par année dans cette période-là. Okay. On ne sait pas ce qui peut arriver. C'est là le temps partiel que je vous parle. Ouais. Tout peut arriver, mais c'est ça que mon setup idéal, ça serait ça. C'est sûr que là, tant qu'on commence à parler des meilleurs montants, parce que ça, on s'entend, c'est des montants préétablis. Je n'ai que mon prochain, ce qui va arriver, on va le mettre KO. Puis, ensuite de ça, mettons, là, je perds ce top 15, puis il y a un autre combat intéressant, puis arrive une autre grosse victoire comme ça. Tu peux renégocier. Je pourrais lâcher un petit courriel à M. Mick Ménard, tu sais, puis ils sont très ouverts. C'est pas obligé d'aller jusqu'à la fin. Le premier contrat, oui, parce que tu te vends, mais ainsi de suite, tout peut changer en cours de route. Si les montants deviennent encore plus intéressants, peut-être que ça ne sera pas juste mars puis juin, juillet. Tu sais, genre, peut-être. Mais pour l'instant, on y va comme ça, on se concentre sur le 7 juillet. Je sais qu'au mois de septembre, il y a Edmonton. Oui. C'est ça, ça va bien en juillet, je pense que Edmonton, ça pourrait être quand toujours même possible. Toujours, le UFC Canada met beaucoup l'emphase sur les gars locaux. Je sais qu'ils vont m'arriver avec ça, mais ça, c'est après. On sait que le KO de la soirée, Alex aussi, là, je sais que notre chum, il l'a toujours dans la tête. Ça, c'est un 50 000 de plus. Ça, tu l'as déjà eu une fois. Oui, je l'ai eu à Ottawa. Ça, c'est quand tout le monde. Si ça n'avait pas été en Australie, il l'aurait eu deux fois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, parce que Hunt a été le chercher, c'est un gars local. Ouais. On va s'arrêter tout de suite parce qu'au retour, je veux qu'on parle. Écoute, il y a tellement de choses à parler. On a beau parler des montants et tout ça. Tu es un combattant que tu as appris à bien connaître sur YouTube. on va parler de ça aussi. Mais je veux qu'on parle des dépenses. Parce que tu arrives de la Thaïlande. Écoute, c'est un sport. Il faut que tu t'entraînes. Tu ne peux pas faire ça dans ton sous-sol d'église non plus pour arriver prêt pour le UFC. Je veux qu'on parle de ça également. Donc, on s'arrête et au retour. On va parler aussi peut-être de la Ligue nord-américaine de hockey, Alex. Des rumeurs à Saint-Jean, Steve, une vedette à... Écoute, je sais pas, on va en parler. Peut-être comme argentier, comme combattant. Ah oui, peut-être. C'est la première ligne, pas certain. C'est la première ligne. Ouais. J'ai juste payé ça. Eh boy, moi, je paye pour aller voir ça. Ouais, moi aussi. On revient. Sport Express suit à l'instant. Restez là. Nous sommes de retour à Sport Express. C'est notre spécial Steve Bossé. Ouais. 30 minutes avec le combattant du UFC. Steve, on a parlé avant des salaires en UFC, tout ça. Moi, je veux qu'on parle un peu des dépenses. Je veux pas qu'on prenne 15 minutes là-dessus, mais t'es allé en Thaïlande. Tu sais, par exemple, tu prends un contrat de 18-18. Tu gagnes ton combat, ça te donne 36 000 US. C'est bien le fun, mais t'as des coachs. T'es allé t'entraîner un peu partout dans le monde. Il y a moins de commanditaires. Comment ça marche? Tu sais, moi, je te suis sur les réseaux sociaux, on se connaît un peu. Je sais que t'as des gars qui t'aident et tout ça, mais comment ça fonctionne? Bien, moi, j'ai la chance d'avoir ma job, tu sais, à la caserne. C'est assez flexible. Si je veux passer en camp d'entraînement, je donne des quarts de travail. Okay. Quand je reviens, là, en ce moment, je fais un peu plus d'heures, mais tout se mixe bien à ce camp d'entraînement-là. Mais c'est ça, moi, j'ai l'avantage d'aller chercher un peu d'argent. Mais pour les autres, c'est pas évident. Surtout quand tu commences, comme on a dit tantôt, c'est pas super payant. Ouais. Il y a beaucoup d'athlètes qui s'endettent dans leur camp d'entraînement pour pouvoir avoir le maximum et s'en aider. Parce qu'il y a une différence de rester dans tes affaires chez vous, dans ta routine, de faire ton camp d'entraînement. Ça se fait. Moi, je le fais bien. Mais je me suis rendu compte quand j'étais en Thaïlande, où tu te réveilles, peu importe ce que tu es, tu te lèves,
faut que tu manges. Ouais. Tu t'en vas t'entraîner, tu reviens, tu manges, tu prends une douche, tu te couches, tu reviens. Tu as juste ça à focusser. C'est bénéfique, mais il y a plusieurs athlètes qui ont à s'endetter pour le faire. Puis là, tu souhaites qu'il n'arrive pas une blessure. Tu sais, arrive une blessure, tu ne touches pas ton gain. Quand tu commences à faire des bonnes bourses, tu as de l'argent dans ton compte, ça va bien, mais au début, c'est pas évident. Mais moi, en tout cas, la Thaïlande, c'était bénéfique parce que vu que j'étais arrêté pour 9 mois, au début, je disais à mon entraîneur, OK, avec qui je vais m'entraîner, vu que tu t'en vas trois. Parce que c'était pas vraiment pas prévu. Du tout, du tout. Prévu, je me dis, tant qu'à faire partir en petit camp d'entraînement, je vais attendre d'être sur la coche, tu sais, être en shape. Là, ça faisait 9 mois que je faisais comme rien. Fait que, ben c'est ça. Ashraf me dit, on vient, au contraire, tu vas partir la machine, on va être bien relax. Puis, j'ai dit, OK, let's go. On est allé, puis c'était sur la coche. Mais on en parlait hors d'onde tantôt. Quand on parle des dépenses, parce que oui, un combattant UFC va emmener ses coachs avec lui à Vegas, ça fait partie du package que tu t'entends avec le UFC, qu'ils vont payer pour tes coachs aussi. Oui, bien, le premier contrat, tu n'as pas grand-chose. Okay. Tu as 2 billets d'avion incluant le combattant et un entraîneur. Okay. Il y a beaucoup qui aillent juste avec un entraîneur ou qu'il y a d'autres gars de son équipe qui est sur la même carte que lui amène un autre entraîneur. Okay. Mais sinon, tu sais, exemple, moi, quand j'étais censé au début, mon premier combat était au Brésil. Ouais. Ça fait des grosses dépenses d'amener un gars de plus. T'sais, si tu t'en vas puis tu calcules, moi, je calcule tout le temps, on ne parle pas négativement, mais dans le PDP, il y a 10 000 qui vont être là. Ouais. Bon, mais comment que je peux me permettre de dépenser pour que ça vale quand même la peine? Puis en même temps, tu ne veux pas être là-bas avec un gars seulement. T'sais, la coupe de poids, c'est rough. C'est le fun d'avoir du support. Ouais. Puis dans le coin, c'est le fun d'avoir 2 gars qui vont être capables d'avoir 2 visions. Idéalement, c'est 3. Là, c'est pour ça que dans ce deuxième contrat-là, j'étais capable de rentrer un deuxième coach qui ne sera pas à mes frais. Mais le prochain contrat, ça va être un troisième coach, et ainsi de suite. T'sais. Tout est négociable. Je pourrais aussi avoir mon entraîneur de conditionnement que j'aimerais savoir à mes côtés, faire la coupe de poids. T'sais. Ouais. Mais en ce moment, ça amène des frais. En ce moment, j'ai la recette à marche, mais plus tard, on va rajouter. Ça va être toute la négo. Avec l'expérience que je vois, ce que je pourrais avoir de plus qui serait bénéfique. Écoute, imagine. Quand il va se battre en combat de championnat du monde, Sport Express, on va être là pour un mois dans la vie de Steve Bossé. On va être négocier ça aussi avec les UFC. Ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain. On est bien connus dans notre famille. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je suis persuadé qu'il y a des chums, il y a des coachs, il y a des trainers, que peut-être que malheureusement, je ne peux pas payer pour toi, mais un petit vendredi soir, un petit week-end à Vegas pour un UFC, d'après moi, il y en a une couple qui vont suivre. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de mes amis qui m'ont dit qu'ils aimeraient ça venir là-bas. Écoute, c'est sûr que Vegas, c'est le fun. Il y a un autre événement et tout le lendemain. Ouais. C'est une grosse semaine. C'est la semaine du UFC. Ouais, c'est compliqué. Là, chaque année, c'est comme ça. Ouais. Ça faisait longtemps que je voulais vivre, là, UFC. Parce que moi, depuis que j'ai commencé ce sport-là, c'était tout le temps à Las Vegas. Ouais. Je suis content. J'étais allé en Australie, allé en Floride. Il y a plusieurs. Ça va amener à... Ce qui est le fun de ça, c'est que ça amène à voyager. Puis je vois ça comme. Tu sais, t'arrives, puis c'est le nanan de la patente. Le camp d'entraînement, il est dur, il est souffrant, il n'est pas le fun, c'est la diète. T'arrives là-bas, là, c'est comme. C'est ça qui est le fun. T'arrives, c'est la grosse affaire, t'es traité. Tu sais, c'est la Ligue nationale. T'es traité vraiment, ça coche. Puis ça, c'est le fun. Mais là, je suis content. Depuis le début, c'était Las Vegas. Fait que c'était ma faveur, puis j'ai hâte de le vivre. Se battre à Montréal, au Centre Bell, est-ce que ça sera un rêve aussi? Oui, ça aussi, c'est me battre devant mes fans. Là où ils seraient. Ça fait un petit bout de temps qu'ils ne sont pas venus. Oui, je ne sais pas. D'après moi, ils iraient plus au Centre Vidéotron avant Montréal. Okay. Mais on ne sait pas. T'sais, là, il y a de moins en moins de Québécois au UFC. Ouais. Il reste moi et Olivier présentement. Ouais, c'est vrai. Oui, fait que, il y a Nordine Taleb, qui est un Canadien aussi, qui n'est pas établi maintenant. Il habite à temps plein à Phuket, en Thaïlande. Okay. Mais c'est ça. Moins qu'il y a des gens, moins qui ont d'intérêt à venir. Mm. Mais c'est sûr que c'est un marché qui est super. Là. Parle-nous un peu de ton adversaire. C'est bien beau les dépenses, c'est bien beau tout ça. On sait qu'il le connaît très bien. Tu le connais très bien. Tu es allé googler son nom quand ça s'est fait. Bien, j'étais sûr que c'est vous autres qui m'avez donné des hymnes. Alors, je sais. Écoute, nous autres aussi, on l'a googlé. Non, mais c'est un gars comme toi. C'est un gars qui aime boxer debout, en fait, qui aime être debout, une bonne frappe. Puis on t'a même dit, ton matchmaker au UFC, que ça ferait probablement un excellent combat. Oui, exactement. Tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'ai fait une entrevue avec La Voix des Guerriers, puis il m'a nommé ce nom-là. Puis j'ai eu de l'intérêt d'aller le voir, puis ça m'a allumé des lumières que oui, ça serait intéressant. Pas juste par son style, mais aussi par son ranking. T'sais. Moi, là, champion du monde, je suis très réaliste. Là, c'est pas là. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais c'est vraiment pas une option. Moi, je fais ça vraiment. Ce que je veux, c'est
essayer de me rapprocher le plus pour être reconnu dans le top 15, et ainsi de suite, mais surtout avoir des bons match-ups qui vont faire que je vais pouvoir bien me vendre dans mon style à moi, tu sais, faire des... donner un show. Mm-hmm. Puis Jared Cannonier, regarde, c'est un gars sur mesure pour moi, même style que moi. Il aime ça se battre debout, il aime ça échanger, c'est un gars qui va à la guerre. Fait que c'est des match-ups comme ça que tu t'assures d'avoir plus de chances que ça soit le combat de la soirée. Mais tu t'es jamais caché non plus, que ce soit dans la Ligue nord-américaine, au UFC, tu as toujours été debout, tu as toujours encaissé. C'est ce qui fait ta force aussi. Est-ce qu'on commence à te reconnaître quand tu vas dans d'autres shows du UFC? Est-ce qu'on dit, hey, toi, t'es... Ou même ici, à Montréal, je te dirais, d'autres shows du UFC, c'est rare que je vois... Mais dans la vie de tous les jours, oui. Ouais, vraiment. Comme tu dis, il y en a de moins en moins de Québécois, donc les gens suivent ça. Oui, même si je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, les gens, je commence de plus en plus à être reconnu, puis c'est le fun. Puis regarde, dis-moi, c'est jamais forçant pour moi de donner la main à quelqu'un, de prendre une photo avec. Puis non, ça, c'est un côté trippant. Steve, fallait absolument qu'on t'en parle. Les rumeurs courent comme quoi la Ligue nord-américaine de hockey serait peut-être de retour à Saint-Jean. On sait, tu as commencé ta carrière à Verdun, il y a eu les Aigles de Saint-Jean, tu as joué à Saint-Jean pour les Chiefs. Ça a été, écoute, c'est là, je pense que tu as fait ton nom de plus en plus avec les traditionnels duels contre John Mirasty. Est-ce que tu as été approché? Est-ce que tu en as entendu parler en tant que... Bien là, tu n'es plus Joannais, mais on va dire Joannais quand même là, de Saint-Jean. Ah, je vais toujours être Joannais, On aime beaucoup entendre de Saint-Jean sur Richelieu. Ça va tout être là jusqu'au bout. Ça va être là. Regarde, je suis natif de Saint-Jean. Quand j'arrive dans la ville, Saint-Jean, c'est chez nous. Mais ouais, quand j'ai entendu parler, j'ai contacté Danick. Moi, écoute, c'est pas vraiment, vraiment pas dans mes plans de rejouer dans la Ligue nord-américaine. On connaît pas. Non, mais on sait pas. On connaît pas l'avenir. Tout peut arriver, sauf que là, en ce moment, je peux pas focusser sur... je focus sur le contrat que j'ai là, puis je veux vivre ça à fond. Mais écoute, c'est dans moi, ça, puis j'ai vraiment aimé mon parcours quand on est passé à Saint-Jean. Puis tout ça, j'ai écrit à Danick, j'ai dit, comme si je peux faire de quoi. Je connais Michel, le maire de Saint-Jean, je voyais en glisser un mot. Puis c'est là que j'ai su qu'il y avait aussi Trois-Rivières qui était dans l'intérêt de venir s'installer à Saint-Jean. Je ne sais pas ce qui va... sur qui ils vont trancher, sauf que ça se pourrait que je m'implique. De la façon, je ne sais pas. Mais... De toute façon, il y a 36 ans, notre ami Joël Thériault, il avait 40-41 cette année. Je sais bien que Joël n'est peut-être pas satisfait de sa dernière saison, mais quand même, Joël a joué jusqu'à 40-41. T'as encore le temps, Steve? Si j'en reviens, ça va être ma condition. Il faudrait que Joël soit là. Gagner une dernière coupe ensemble. Ça va être pas pire quand même. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, le combat, c'est début juillet? Tu l'as dit, tu fais le plus d'heures possible en ce moment à la caserne, là, parce qu'on va rappeler aux gens tes pompiers. Mais est-ce que tu vas commencer à te retirer tranquillement pour t'en aller plus vers l'entraînement? Oui, ma routine est faite. Bien souvent, avant, je m'entraînais trop. Pour vrai, trop. À l'âge que j'ai, surtout, là, trop c'est comme passé. Ça faisait que j'arrivais à des entraînements, j'étais fatigué mentalement, mon corps, il rushait. Elle veut pas les épaules, le body, à 36 ans, mais depuis que j'ai 21-22 ans, que je me bats, tu sais. Fait que... Tu sais, j'ai mal aux épaules, mon médecin, j'ai commencé ça, tu sais. Il dit, bien, depuis quand tu te bats? Je dis, bien, ça fait 15-16 ans. Il dit, bien, c'est ça. Fait que j'ai à respecter ça, puis je me suis rendu compte avec les années, avec les camps d'entraînement, que quand j'écoute mon corps, puis quand que je ne suis pas trop fatigué, je fais des entraînements qui sont vraiment payants. Fait que j'essaie d'organiser ça comme ça avec la job. J'essaie de faire beaucoup des nuits, avoir les journées où, mettons, je peux faire des heures à midi à caserne. Je rentre à 6 heures, je finis à midi et demi. Mais là, j'ai deux entraînements. Une possibilité de faire deux trainings. Fait que de cette façon-là, ça fonctionne super bien. Puis je suis capable de me faire mon salaire, si on veut, pour passer au travers du camp d'entraînement. Viens-tu t'entraîner encore un peu à Saint-Jean ici? Oui, je suis pas venu encore depuis mon retour de la Thaïlande, mais c'est sûr qu'au Pro Gym, c'est ma place, dans mon octogone. Puis c'est là qu'on met les gants tous les samedis. Fait que je me promène. T'sais, je vais au Titan à Montréal avec Ashraf faire les pads. Il y a le gym à Saint-Jean où on fait le sparring. Puis des fois, on va à Orion, tout dépendant. On est pas mal la même petite ligue qu'on se promène un peu, mon entraîneur de Jiu-Jitsu, Luciano. Soit je vais à Delson ou je monte à Boisbriand, à son école. Fait que c'est ça, je suis bien entouré. J'ai la zone sportive à Delson que je fais mon conditionnement, qui est à côté de chez nous. Fait que pour vrai, là. Avec Yann Joseph, un ancien. Il joue la Ligue nord-américaine. Et lui, il te fait suer, lui. Hein? Peut-être qu'il viendrait jouer à Saint-Jean, lui. Peut-être. Je vais amener des conditions. C'est ça. Pour vrai, je suis content. Regarde, j'ai une super bonne équipe. Tout le monde s'entend bien. Fait que, tu sais, avec le temps, tu es capable d'aller chercher ce que tu as besoin vraiment. Puis là, ça connecte. Ça connecte vraiment. Puis regarde, Ashraf, ça fait des années. On s'est rencontrés en Thaïlande, il y a 10 ans. Depuis ce temps-là, on est ensemble. Vite, pas mal. En tout cas, on était là depuis le début. Tu étais là comme relationniste. Moi, à l'époque de Chiefs Express, je t'ai interviewé avec la coupe dans les mains, le champagne.
Premier combat au Centre Molson à l'époque. C'était-tu Centre Molson ou c'était Centre Bell? Dans le temps, c'était Centre Bell. Ouais, c'était Centre Bell, ouais, on était là. Après avec ça. TKO, hein? Exactement. TKO. Après ça, au Colisée, tu avais le brasseur ici avec ton knockout du coude également. Il manquerait juste un UFC, c'est ça, Alex? Oui, je pense qu'on est rendu là. Ouais, mon trip. En tout cas, merci d'être là. Merci d'être venu nous voir. Ouais. Bon camp d'entraînement. Right. On va te regarder au mois de juillet, c'est sûr et certain. All right. Merci, 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 Steve. François, avant de parler à NASCAR, oui, parlons un peu de football scolaire. Oui, une chance qu'on a notre ami William Julien. Le 6 mai prochain à 10h au stade Alphonse Desjardins, activité de recrutement pour l'équipe Benjamin avec comme invité d'honneur, Alex, Luc Brodeur-Jourdain, wow, qui va être sur place des Alouettes de Montréal. Donc, pour plus de détails, on écrit à qui? À William Julien. À willspeed123@commercial.gmail.com. Il y a également les Cerbères qui disputeront un Jamboree ce vendredi à 19h30 du côté du stade Alphonse Desjardins. Et samedi à 13h, il y aura un match hors concours des cadets, donc les Titans, ouais, contre Massé-Vanier au stade Alphonse Desjardins. Et toi, Alex, on je pense qu'il y avait du NASCAR. On a parlé à Alex de William, hein, et puis ça a l'air qu'il porte bien son surnom, Will Speed, c'est ce qu'il nous a dit d'ailleurs. oui, il y avait du NASCAR en fin de semaine, donc dimanche dernier, était présenté le Toyota Owners 400 sur le Richmond International Raceway. Oui. Et parti en queue de peloton suite à un changement de transmission. Donc, François, ça avait parti en queue de poisson pour se terminer en queue de peloton. Alors, on a dû changer à la transmission. C'était pour toi, Stéphane. Alors, après la séance de qualification, donc Joey Logano a dépassé les 39 voitures qu'il avait devant lui pour remporter le Toyota Owners 400 devant son coéquipier Brad Keselowski. Oui. Ben, les farces, mais tu pars quand même dernier, tu finis premier. Là. C'est là qu'on voit le manque de talent dans les cette série. Les derniers sont les premiers. Et voilà, merci beaucoup Céline. Donc, Denny Hamlin, Ricky Stenhouse Jr., Kevin Harvick ont complété le top 5. Matt Kenseth et Brad Keselowski ont remporté respectivement les deux premières étapes de l'épreuve. C'est vrai qu'il y a comme trois étapes dans les épreuves. Oui. C'est ça. Donc, classement des pilotes, Larson, Truex Jr., Elliott, Logano, Keselowski. Prochaine course le 7 mai à 14h. C'est au tel à dégâts, mon cher. Oh yeah! Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye. Salut.